comes the blackest hole. You've so much to offer. What did you offer your soul? I was there for you, baby, when you needed my help. Would you deny for others? Would you demand for yourself? Cool now, slow down. Signs and wonders, but I need something other. I would believe if I was able, but I'm waiting on the crumbs from your table. Bruno, une journée comme aujourd'hui sans course, c'est plus facile à gérer dans une écurie? Bah oui, quand les gars sont là, la journée ça se passe plus facilement, donc c'est plus facile à gérer. Habituellement, il y a toujours une course à un endroit ou deux, mais sans qu'il y ait de course, aujourd'hui il y a les concours de modèles, il y a toujours quelque chose à faire. Hein. On est toujours occupé, hein, dans une écurie c'est rare qu'on soit en vacances. Et justement, ça ne désorganise pas complètement une écurie, le fait de courir partout comme ça? Surtout que toi, tu fais beaucoup de route. Ouais. Moi, ça ne pose pas de problème. Comme je dis toujours, le boulanger ou le boucher, il ne refuse pas de vendre sa marchandise. Alors, j'entends plein de collègues qui disent que c'est très compliqué de courir à n'importe quelle heure. Et on n'oblige personne à aller courir. Et moi, qui ne court pas, ça fera moins de partants. Et moi, j'irai aux courses. Hein. Si je suis fatigué, je déclare pas, puis j'y vais pas. Voilà, tout simplement. Après, c'est une question d'organisation. On est assez organisé ici, c'est fonctionnel, donc ça se passe toujours bien. Et est-ce que le fait de rentrer dans le système comme ça pousse pas justement à faire des excès? Ouais, peut-être. Hein. Alors, je pense qu'on ne va pas notre montre, c'est ça aussi. Le problème, c'est sûr que s'il fallait qu'on soit vraiment dans les normes des heures de travail, ça serait compliqué. Si demain, il y avait un mouvement qui s'organisait auprès des entraîneurs, de dire nous, on ne veut plus courir à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, donc toi, tu serais contre ça? Je serais contre ça, oui, il ne faut pas refuser le travail. Aujourd'hui, avec toutes les courses PMU, quand même, ça a bien amélioré les choses. Il y a quand même plus d'argent de distribuer et je pense qu'il ne faut peut-être pas refuser l'argent, surtout pour des écuries, tout le monde en a besoin. Pour cet hiver, je pense que j'ai gardé une jument qui dans les vieux chevaux qui s'appelle Star Sister, qui a eu des ennuis de santé au niveau de ses jambes et que je pense qu'elle est un petit peu déclassée dans sa catégorie parce qu'elle a marché 13-8 sur la longue distance montée. Ça devrait suffire pour cet hiver dans sa catégorie. Et on la reverra, je pense, au mois d'octobre courir et être prête au mois de novembre. Elle, tu l'as vraiment réservée pour l'hiver? J'ai réservé tout pour l'hiver qu'elle, parce qu'on ne l'a pas couru de l'été, on a pris notre temps. Là, elle est à la piscine, elle est en train de se préparer. Elle va rentrer cette semaine à la maison. On va faire 3 semaines de travail avec une course de rentrée. Et après, on vise les belles courses montées de vieux chevaux pour elle. Toute distance? Toute distance, 2007 ou 2100, peu importe. Elle a prouvé qu'elle pouvait faire les deux. Ensuite? Ensuite, on aura Toré Crépin pour la même casaque. Bon, le cheval, il a 500 000 euros, il a les belles courses montées à courir. Il a fait ses preuves à Vincennes. Pareil, on ne l'a pas couru de l'été pour préparer le meeting. Il va faire sa rentrée à Alençon dimanche et à l'attelage. Et après, il aura un beau programme. Il a un 2100 là, fin octobre. Je crois que c'est le prix Reynolds. On préparera ça. Et dans les A, j'ai deux jumeaux. J'ai une jument surtout à Marina d'Hanover. Une jument qui devrait avoir de la marche cet hiver, 2100 ou 2007. Elle a gagné en gain, elle a figuré à Vincennes. Elle vient de faire une course de rentrée en étant 6e dans un bon chrono. Et à Ravis Rock, qui vient de gagner à Vincennes en 12-6 et qui sera plus le spécialiste des 2100. Donc ce sera surtout ces chevaux-là en vue du meeting qui auront un peu plus de marche que les autres. D'autres chevaux encore, d'autres noms?
J'ai pas forcément. Si, j'ai eu Percute du Houlet qui va bien faire les apprentis. C'est un cheval qui a les mêmes gains quasiment que Star Sister, mais qui supporte pas le poids. Donc, ça sera toujours Mathieu de Aougabel qui le monte et qui s'entend très bien avec. On le reprépare là pour la fin octobre, une course d'apprenti, tout le monde au même poteau. Dans les jeunes pousses, l'essai et des espoirs. Et ben dans les espoirs, je pense que j'ai une jument comme Clara De Luca, qui est une jument qui a une bonne pointe de vitesse et qui devrait montrer le bout de son nez à Vincennes. Et j'aurai quelques chevaux de montée en début d'année. Un cheval qui s'appelle Caviar Star, qui vient d'être qualifié monté à Grosbois en 20, mais d'une bonne manière. Et je pense j'en aurai un ou deux montées. Voilà. Victorien qui nous demande quel est ton budget essence annuel. Ouais, essence, je tourne à 50 000 litres de gasoil à l'année à peu près, donc on va dire à 50 quand il est cher, mais ça fait à peu près 60-70 000 euros de gasoil par an. Benjamin qui nous demande tes espoirs au trot monté. Mes espoirs au trot monté, dans les jeunes. Dans les vrais jeunes, dans les C, je pense que Caviar Star est un cheval qui est d'avenir. Monté, c'est un vrai dur. Et dans les B, je pense que Beauté d'Hanover fera une bonne jument montée, mais pour l'instant, elle a trop d'allure. Elle fatigue beaucoup et il faudra attendre d'avoir le droit de la déférer pour l'avoir vraiment à 100%. Question de Rudy, qu'est devenu Trésor de Kenny? Trésor de Kenny est parti chez un entraîneur du Sud-Est. Je ne sais pas son nom, mais je ne l'ai pas gardé parce que ça n'allait plus. On a Jérémy Lévy qui nous demande des nouvelles de son nounours. Bah, j'ai eu Jérémy hier au téléphone, mais je lui ai dit que ça allait très très bien et qu'on le reverrait au mois de janvier. Et je pense qu'on va rattraper le retard. On a eu un petit ennui sur une jambe et je pense qu'il n'y a rien de grave. Malek qui nous demande des nouvelles des crépins, Valentino et Toré. Valentino, on ne le verra pas cet hiver parce que je l'ai fait castrer. C'est un cheval qui est très très lourd et qui a eu des gros problèmes de santé. J'arrive pas à l'avoir bien. Et Toré Crépin, comme j'ai dit, on a préparé le meeting d'hiver. On devrait le retrouver bien. Le cheval est vraiment physiquement très très bien au travail. Malek qui nous demande des nouvelles de Tonjo Blue. Tonjo Blue, il avait un an d'arrêt. Il a eu un gros problème à une jambe après la dernière course de Vincennes. Il ne devrait pas tarder à revenir à l'entraînement. C'est un cheval que j'avais beaucoup d'espoir, hein. Il était du niveau de Toré Crépin. Il n'a pas les gains en conséquence et surtout pas les jambes. Et est-ce qu'il est toujours aussi fou également, il nous demande. Monté, on arrivait quand même à bien le gérer à l'attelage, il était ingérable, il était toujours aussi fou à l'attelage. Ludovic qui nous demande si tu as ressenti une difficulté supplémentaire pour faire ta place dans les pelotons en n'étant pas issu du sérail. Non, j'ai pas eu vraiment... J'ai pas eu besoin de faire ma place. On fait sa place avec les chevaux. Hein. Quand on a des bons chevaux, tout de suite, on se fait respecter. C'est que quand on a des chevaux qu'on n'a pas de marge, on ne peut pas faire sa place. Les gens ne vous laissent pas passer. Et après, faut pas venir embêter. Je pense que quand on est droit en course, les gens sont droits avec vous. Sylvain qui nous demande des nouvelles de ton ex-crack Moridiem. Moridiem est à la retraite chez sa propriétaire. Je le vois un coup de temps en temps quand je vais chercher des chevaux ou je vais chez eux. Et le cheval se porte très bien. Loïc. Salobrigue. Tu l'as attaché. Tant que je l'attache. Non, c'est pas grave. Tant qu'elle nous... C'est ça que je crains. Ouais. Loïc qui nous demande les espoirs du tandem Bruno-Marie-Adrien Lamy et des nouvelles de Vigo du Guillaumas avec lequel tu as gagné 4 courses cette année. Eh ben, pour répondre à la première question, Adrien Lamy, bah, ça va très bien. Hein. On le sait très bien. Il est salarié depuis plus de 4 ans chez moi. Maintenant, c'est pas comme au football, on n'a pas des contrats déterminés pour vouloir rester chez nous. Adrien, j'ai l'impression qu'il se plaît bien ici, il a envie de rester. Maintenant, le jour qu'il voudra partir et s'installer, ben, je le conçois. Hein. Ça ne sera pas le premier de chez moi, ça ne sera pas le dernier. Maintenant, ce que je souhaite, c'est qu'il reste le plus longtemps possible chez moi. Et que voilà, ben, l'entente, on s'entend très très bien. Hein. Il est très performant aux courses. Et c'était une question pour... Vigo de Guillaumas. Vigo de Guillaumas est au repos. Hein, comme je l'ai dit, il a eu un ennui à une jambe. On n'avait pas beaucoup de gains, on devait sauver. On a peut-être tiré un peu sur la corde pour sauver le cheval. On l'a sauvé,
Maintenant, on le reverra en janvier. Comment jugeais-tu Madalapé à l'époque, nous demande Ludovic. À Madalapé, je le voyais du même niveau que Moridiem. Et il a eu un gros ennui de santé chez ses propriétaires au repos parce que c'était Jean-Michel Bazir qui me le drivait. Et quand on l'a arrêté, il avait les mêmes gains que Moridiem. Il avait marché 11 et c'était un très bon chrono à Vincennes. Il reste sur 5 victoires consécutives à Paris. Il a arrêté sa carrière là-dessus. Jordan qui nous demande si mettre le pied à l'étrier de nombreux apprentis est toujours dans ta politique. C'est toujours ma politique, hein, la preuve. Hein. Bah, le dernier, ça, c'était Adrien. Après, il y a Mathieu, il y a Gwen. C'est des apprentis qui se mettent en vedette à chaque fois qu'ils drivent pour moi. Et puis, ça me fait plaisir. Moi, on m'a donné ma chance et j'estime que je dois faire pareil. Aujourd'hui, ils ne sortent pas tous des fils d'entraîneurs. Et la preuve qu'on peut sortir des bons jockeys. François qui nous demande si l'interdiction de déférer à 2 et 3 ans est un problème pour toi. Je pense que c'est un problème, pas forcément pour moi, mais un problème pour certains chevaux. C'est-à-dire qu'il y a certains chevaux qui sont limités, surtout à 3 ans. 2 ans, ce n'est pas un problème, mais à 3 ans, on est obligé de garder des chevaux limités parce qu'ils vont progresser en les déférant. Et on les garde, au lieu de prendre, on va dire, 20 000 euros la première année, on va en prendre que 4 000. On est obligé d'attendre. Ça, c'est pas logique. Il vaut mieux prendre les 20 000 tout de suite et le vendre derrière que de faire attendre les choses. Je vois pas. Mais maintenant, la loi est comme ça. C'est pour tout le monde pareil. Hein. On n'a rien à dire. Il nous demande également qui va le plus vite entre toi et Philippe Dojard à vélo. Ah, actuellement, c'est surtout Philippe Dojard. C'est un bon sprinter. Et les performances qu'il fait en vélo le prouvent.